Bonjour messieurs, bienvenue. Vous êtes, me semble-t-il, au Japon. Salut, salut Thomas, salut Michel. Ouais, salut David. Ouais, on est au Japon et bah, tu vois, on est dans nos magnifiques kimonos et on se réveille en fait parce qu'on est rentré tard à Tokyo du Grand Prix. Et voilà, on est prêt à en reparler de ce Grand Prix encore un peu fou. Ça va Thomas? Ouais, bah écoute, je me réveille, hein. Comme dit Michel, on vient de se réveiller, donc après un week-end assez compliqué avec le décalage horaire, voilà. Merci de vous être levé aux aurores pour débriefer ce Grand Prix du Japon. Un Grand Prix du Japon qui a rebattu les cartes par rapport à la dynamique qu'on a observée lors des dernières courses. On attaque tout de suite par le débrief de Michel Turcot. Retour au Japon, Michel, ça fait du bien. Carrément, ouais, ça faisait ben, voilà, 3 ans qu'on n'était pas venu à Motegi depuis 2019. Donc, il y avait beaucoup, ben, pour beaucoup, c'était une nouveauté, hein, notamment Bastianini, par exemple, qui avait jamais roulé à Motegi en MotoGP. Fabio et Bagnaia n'y avaient disputé qu'un seul Grand Prix. Donc, voilà, c'était, on va pas dire l'inconnu, mais en tout cas, les inconnues étaient nombreuses en arrivant là-bas. Et en plus, il y avait aussi le retour de Marquez, mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, on va quand même revenir sur l'événement de ce week-end. C'est la chute de Bagnaia et c'est Fabio Quartararo qui arrête l'hémorragie. Hein. Depuis le Grand Prix des Pays-Bas au mois de juin, il perdait des points sur son adversaire, sur l'Italien qui remontait au classement. On était passé d'une avance de 91 points après le Grand Prix d'Allemagne. Donc, c'est-à-dire à la mi-saison, et Bagnaia était revenu à 10 points en profitant de la chute, de la malheureuse chute de Fabio en Aragon. Donc, voilà, on est revenu sur vraiment un mano à mano alors qu'il restait 5 Grands Prix. Et puis voilà, ce week-end, bah, c'est Fabio qui a repris 8 points. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est déjà l'arrêt de cette hémorragie. Donc, on a deux pilotes qui terminent. Pardon, deux pilotes qui se battaient ensemble, mais très loin dans le classement, parce qu'on a eu un week-end déjà perturbé. Alors déjà, on avait un programme qui était remanié, puisque bon, on sait, le Grand Prix du Japon était back-to-back, comme on dit, derrière le Grand Prix d'Aragon. Donc pour se donner un peu de marge, les organisateurs avaient prévu de ne pas faire, enfin d'annuler les séances d'essai du vendredi, de remplacer la FP1 par une. Enfin, la FP1, la FP2, les regrouper en faisant une première séance d'essai l'après-midi un peu plus longue, pour laisser le temps aux équipes de s'installer. Bon, en fait, il n'y a pas eu de problème. Le fret est arrivé en temps et en heure. Donc, on aurait pu rouler le vendredi matin. Mais bon, c'était prévu comme ça. Et on a eu de la pluie tout le lendemain. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, avant la course, il y a eu très peu de roulage sur le sec. Donc, personne n'était vraiment prêt. Les choix de pneus étaient un peu hasardeux. On l'a vu en course. Donc, voilà, c'est vrai que c'était un déroulement un peu spécial. La séance de qualif, elle s'est déroulée sur le mouillé et bah, on a eu une pole de Marquez, on a eu une deuxième place Ouais, dingue. de Juan Zarco et Binder troisième. Donc, c'est vrai, on avait une première ligne totalement inattendue et les deux candidats, enfin, les deux pilotes qui se battent aujourd'hui pour le titre, sans écarter Aleix Espargaró évidemment, mais en tout cas, on avait Fabio 9e sur la ligne, sur la grille, pardon, en 3e ligne, et Pecco 12e derrière lui. Donc voilà, les deux partaient dans le milieu du peloton, donc forcément, on avait un scénario un peu spécial hier. Thomas, c'était un Grand Prix un peu particulier aussi parce que sans dévoiler déjà tes statistiques, Marquez fêtait sa 150e course en MotoGP, Zarco aussi avait une course anniversaire. Oui, effectivement, c'était son 100e départ en catégorie reine. Donc, un milestone assez important pour lui, parce qu'il fait partie des rares pilotes à avoir dépassé la barre des 100 Grands Prix en catégorie reine.
donc en français, hein, j'entends. Et Ouais. donc on peut citer Randy Depinay, bien évidemment, qui est quand même le leader dans la C'est le plus expérimenté en MotoGP, Randy, hein, encore. Oui, tout à fait, ouais. Et puis c'est même en toutes catégories confondues, bon, Johan l'approche progressivement, mais toutes catégories confondues, ça reste encore Randy qui est devant. Mais oui, c'était un anniversaire pour Johan. Bon, on y reviendra, je pense, plus tard, mais c'est vrai que ça a été une course compliquée pour lui, même un week-end compliqué pour lui, même s'il a fait une place sur la grille. Et pour Marquez, un retour au Grand Prix du Japon sur les terres de son employeur, Honda, parce qu'on rappelle que Motegi, Thomas, c'est un circuit Honda. Bah oui, parce que ça appartient à Honda et surtout il y a le musée Honda juste à côté. Ils font des tests là-dessus. Et puis, bah oui, il était vraiment à domicile pour Honda. Donc, il a marqué des points, je pense, encore une fois. Et il montre que bah, c'est lui qui tient à bout de bras le projet Honda aujourd'hui, quoi. On ne l'attendait pas aussi bien. Une pole position de Marquez, c'est sa 91e, c'est pas ça? Ouais, toutes catégories confondues. Et puis, sa 63e en MotoGP. Donc, On commence à faire beaucoup, hein. Bon, on reparlera de tout ça dans les statistiques. Je pense que tu as préparé quelques chiffres. Michel, pour en revenir au Grand Prix, on commence par Fabio Quartararo. Il est toujours leader du championnat. On l'attendait peut-être rétrogradé à l'issue de ce Grand Prix du Japon. Eh bien non, il est conforté dans sa place de leader. Fabio a plutôt bien résisté et a su résister à la pression avec ses moyens et il reste solide. Bah, tout à fait. Alors, de toute façon, il est quand même arrivé ici avec l'ambition de jouer le podium. On se souvient qu'en 2019, il avait terminé deuxième derrière Marquez. Il avait fait toute la course derrière Marquez, alors qu'encore une fois, il était débutant. Hein. Donc, c'est un circuit sur le papier qui convient mieux au Ducati, en tout cas qui n'est pas forcément adapté aux spécificités et aux qualités de la Yamaha. Néanmoins, il y a Crutchlow qui avait fait des essais ici il n'y a pas très longtemps. On l'a dit, c'est un circuit où il avait bien roulé. Donc, malgré les lignes droites ne sont pas très longues, mais c'est vrai qu'il y a des virages assez serré. À penser que Fabio, c'est un gros freineur, il est très fort au freinage, donc il avait aussi des cartes à jouer. Et Fabio, c'est aujourd'hui un des meilleurs freineurs du plateau. Donc il avait des atouts quand même pour cette course. Et bon, voilà, son ambition, c'était évidemment de se qualifier devant pour pouvoir partir devant et exploiter ses points forts. Malheureusement, la pluie a fait que il s'est retrouvé 9e sur la grille. Alors il était plutôt bien sous la pluie, hein, les roulages, il a plutôt bien roulé, mais voilà, une petite erreur. Enfin, on sait que les qualifs sous la pluie, c'est toujours les chronos progressent au fur et à mesure. Et lui, il a réalisé son meilleur tour dès le début de la séance. Et ensuite, il se demandait d'ailleurs un peu pourquoi il n'a pas réussi à améliorer son chrono. Donc il se retrouve 9e. En partant de là, il sait que ça va être compliqué. Sa chance, c'est que ça s'est passé encore plus mal pour Bagnaia. Donc Bagnaia est juste derrière. Donc en fait, les deux pilotes sont bien partis, mais dès le début, ils se sont retrouvés aux positions qu'ils occupaient sur la grille. Donc il n'y a pas eu de bouleversement ni de catastrophe, d'ailleurs, heureusement, dans le début de course. Donc en fait, ils ont fait toute leur course en 9e et 12e position. Donc pour Fabio, c'était plutôt normal parce qu'il s'est retrouvé derrière Vinales, qu'il n'arrivait pas à passer. Pour les raisons qu'on sait, parce que sa moto ne lui permettait pas. En revanche, on imaginait que derrière, Bagnaia allait remonter, et ça n'a pas été le cas. Donc, Fabio espérait aussi profiter du fait qu'il y a eu de la pluie aux essais et que tout le monde n'avait pas beaucoup roulé, sachant que lui, sa moto, généralement, dès le vendredi, il est rapide, et après, il stagne, parce que voilà, la moto, ils ont une base qu'ils utilisent, c'est toujours la même. Donc, il pensait pouvoir tirer profit, justement, du fait d'avoir peu roulé sur le sec. Alors, c'était le cas, parce que Bagnaia était en difficulté, parce que sa moto n'était pas prête. Il disait que la moto patinait à l'accélération, il avait du wheeling, enfin, ils n'avaient pas eu le temps de vraiment travailler pour optimiser ses réglages. En revanche, le problème de Fabio, c'est que lui, il n'a pas eu le temps d'essayer le pneu hard qui fonctionnait hier. Beaucoup de pilotes l'ont utilisé et beaucoup d'autres. Enfin, c'était vraiment partagé sur la grille, le choix des pneus. Et Fabio, voilà, a regretté de ne pas être parti avec le hard parce qu'il pense qu'il aurait pu être davantage performant. Mais encore une fois, ils ont essayé le soft et le médium parce qu'il avait fait la course en 2019 avec le soft. Donc, il ne pensait pas que le hard allait passer. Enfin, aurait été une option et malheureusement ça a été le cas. Mais donc voilà, ils se sont retrouvés tous les deux derrière. Bagnaia s'est retrouvé avec Bastianini une fois encore dans les pattes. Donc les deux ils sont un peu chicorés. On a vu Tardosi s'agacer dans le garage Ducati, aller voir chez Gresini pour dire bon maintenant il faudrait que ça s'arrête. Bagnaia comme lui a le pneu hard en revanche, donc sur la fin de course il est un peu mieux. Il finit par se débarrasser de Bastianini et il finit par arriver sur les talons de Fabio. C'est le dernier tour là, il se dit il faut que je tente.
Et voilà, malheureusement, il essaye de passer Fabio au freinage. Fabio freine encore plus fort parce qu'il sent que Bagnaia va tenter le coup. Et voilà, Bagnaia insiste, il tombe. Il a failli emmener Fabio. D'ailleurs, il s'est excusé. Il n'avait pas eu à s'excuser parce qu'il n'a pas fait tomber. Mais il a dit, j'aurais vraiment eu les boules de l'accrocher. Mais il dit, voilà, j'ai été. D'ailleurs, on le voit applaudir. Hein. Alors, sur le moment, quand on le voit applaudir, quand il se relève, on se dit, il applaudit après qui? Est-ce que Fabio a fait un truc qui, un petit coup de vis, est-ce que Sébastianini il est énervé après Bastianini parce que Bastianini l'a gêné avant? Non, en fait, il le dit, non, j'applaudis, c'est pour. Voilà, je me suis applaudi parce que j'ai été complètement débile sur ce coup-là, j'ai fait n'importe quoi, j'étais trop ambitieux, je pensais passer Fabio, éventuellement rattraper Vinales, alors que je n'avais pas les moyens, donc j'ai fait une grosse boulette, une boulette d'autant plus grosse qu'il y avait un point à gagner sur cette affaire. C'est pas comme s'il avait cherché à s'imposer et à prendre 5 points sur le deuxième. Là, il y avait un point à gagner. Donc pour gagner un point, en fait, il en a perdu 8, puisque en terminant 8e, Fabio prend 8 points. Donc ça a été la grosse, grosse, grosse boulette du week-end. Le pilote qui s'est mis en évidence, c'est Miller qui a gagné la course de la tête et des épaules. Hein. C'est vraiment une démonstration de Miller. Mais Marquez aussi s'est montré sous son meilleur jour. On en a parlé au début de l'émission. On va en reparler. On commence par qui? Miller, Marquez? Bon, on peut dire un mot sur Miller, hein, qui gagne c'est sa première victoire. Donc effectivement, il a fait une course somptueuse. Hein, La saison, ouais. Oui, de la saison, bien sûr. Ouais, pardon, ouais, la première victoire de la saison. Mais ça, je vais peut-être laisser le carnet de notes au doc, puisqu'il donnera un peu plus d'infos là-dessus. D'accord. Ouais, c'est notre élève favori, hein, Miller. Voilà. Et, ouais, quatrième victoire en MotoGP, hein, de la carrière de Miller. C'est ça, et la troisième avec Ducati, du coup. Ouais, d'accord. Et un petit mot sur Marquez, bah ouais, assez incroyable. Hein. Bon, il revenait à Aragon, il n'a pas pu, enfin, il n'a pas été bien loin pour les raisons qu'on sait. Hein. Petite erreur, il est percuté et ensuite problème sur sa moto. Donc on a pas mal tapé sur ses doigts après Aragon. Là, respect, il fait une course incroyable. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'il fait une course sans aucune douleur au bras. Alors, physiquement, il est encore un peu juste. Il l'a dit, hein, il manque. Voilà, il faut qu'il même, il revienne à la compétition, donc il n'est pas encore au top. Par revanche, il est super heureux parce que bah, son bras ne le fait plus souffrir. Il a une position normale sur la moto. Donc voilà, il est revenu comme avant et il est super heureux. D'autant que on savait que dans sa vie de tous les jours, son bras, c'était un problème. Hein, il était sous antidouleur en permanence. Enfin voilà, c'était la misère. Et là, voilà, tout va bien. Enfin, tout va mieux. Donc, C'est super miraculeux. cool. C'est miraculeux, quelque part, parce que un pilote qui revient comme ça plusieurs fois, ça fait combien de fois que Marquez essaie de revenir et qu'il échoue? Bah, Là, enfin, il a voilà, gagné encore une des fois. parts, il a gagné des courses, mais dans la douleur, ouais, effectivement. Ouais, non, mais là, c'est exceptionnel. En plus, alors, il le dit, hein, sur un circuit où les défauts de la Honda, ils sont nombreux, sont moins évidents, sont moins prononcés qu'ailleurs. Donc, voilà, il a toujours été trop fort à Motegi et là, il s'en est sorti. Mais ouais, c'est super. On verra ce que ça donne après sur des circuits alors Buriram, ça risque de ressembler un peu à Motegi. Il avait gagné, il était champion du monde là-bas en 2019 après avoir repris la tête dans le dernier virage, enfin, s'être battu avec Fabio jusqu'à l'arrivée. Finlande, ça sera un autre. C'est un circuit qui tourne à gauche. C'est aussi un circuit qui tourne à gauche. Donc, c'est vrai qu'il est plutôt et Valence de la même manière. Donc, peut-être à Sepang, on en sera un peu plus. Enfin, en tout cas, voilà. Marquez est redevenu Marquez. La Honda reste la Honda. Donc, mais bon, voilà, on sait qu'il fait des miracles à Marquez. Donc. On a retrouvé Marquez presque en pleine possession de ses moyens. La Honda, Doc, toi qui t'intéresses beaucoup à la technique sur les motos avec off-bikes, est-ce que pour l'année prochaine, Honda nous prépare une moto qui va convenir ou est-ce qu'ils sont un peu perdus? C'est une très bonne question. Moi, je n'étais pas au test à Misano, donc je n'ai pas pu voir les dernières évolutions, les toutes dernières évolutions de la Honda. Là, on sait que juste ce week-end, Marquez a été le seul pilote Honda à utiliser le bras oscillant en aluminium Kalex, là, qui est sorti à Misano, justement. Donc, il fait une quatrième place grâce à ça. Mais comme dit Michel, je pense qu'on peut lui donner n'importe quelle moto, il est capable de faire de bons résultats. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, ouais, Honda travaille. De toute façon, ils ont pas le choix. Il n'y a que sans lui, Honda
est à la ramasse. Et là, on voit que grâce à lui, ils arrivent à marquer 13 points en une seule course. Donc, il faudra voir sur le prochain test à Valence, voir si une nouvelle Honda apparaît. Mais en tout cas, on n'a pas vu, contrairement aux années précédentes, l'année précédente, pardon, une nouvelle Honda apparaître à Misano durant le test. Une Honda vraiment différente de celle actuelle. Mais peut-être que Honda continue à travailler sur un nouveau prototype, mais pour l'instant, aucune nouvelle par rapport à ça. Il y a aussi quelque chose, messieurs, par rapport à Marquez et à son retour au premier plan. C'est que, contrairement à Andrea Dovizioso, qui, après une pause, ou Franco Morbidelli, ce sont deux pilotes qui étaient sur le devant de la scène et qui se sont fait tailler des croupières par la jeune garde, la jeune génération, Bagnaia, Quartararo, Mir. Marquez, lui, quand il revient et qu'il est en forme, il est encore compétitif, alors qu'on a vu que Dovizioso ou Morbidelli ont rétrogradé ou même Rossi un peu avant. Marquez, il s'adapte non seulement à la moto, mais au niveau. Bah, c'est un animal, hein. De toute façon, clairement, voilà, c'est Marquez, quoi. Bon, après, il a quand même que 29 ans, c'est pas non plus un vieillard, David. Donc, mais c'est vrai que par rapport à toutes les épreuves qu'il vient de traverser, c'est assez incroyable, mais voilà, je pense que c'est le mot animal lui convient assez bien, quoi. Très Mais bien, très bien. pour en terminer rapidement avec mon débrief et en laisser la parole au Oui. doc et son magnifique carnet de notes, un petit mot sur Ducati, les consignes, parce que bon, c'est vrai que ça a fait beaucoup parler après Aragon, après ce qui s'est passé entre Bastianini et Bagnaia. Donc chez Ducati, on affirme qu'il n'y a pas de consignes. Ouais, de toute façon, on ment beaucoup sur le paddock. Oui, alors après, bon, moi, de toute façon, j'en ai parlé pas mal ce week-end avec Pernat, qui est l'agent manager de Bastianini. Il dit que de toute façon, même s'il y avait des consignes, on ne les respecterait pas. Pourquoi? Tout simplement, bah, parce que, un, déjà, Bastianini, mathématiquement, il reste en lice pour le titre. Et puis surtout, bah, Bastianini, il défend son beefsteak, parce que les contrats de pilote, c'est des primes à la place à l'arrivée, c'est des primes à la place à la fin de l'année. Donc, y a des dizaines, des centaines de milliers d'euros en jeu. Et en plus, comme expliquait Pernat, c'est aussi les résultats influent sur les contrats qui ont été signés pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'en fonction d'une place au championnat, eh ben, les contrats sont réévalués. Enfin, les contrats, c'est le contrat avec l'employeur qui est le constructeur, mais aussi avec le fabricant de casques, les cuirs et puis tous les sponsors. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui que Bastianini s'assoie sur ses revenus 2023 pour favoriser un pilote, alors qu'en plus, enfin, là, en l'occurrence, il restait 6 courses, il restait 5 courses, il n'y en a plus que 4. Mais voilà, donc, à 2 Grands Prix de l'arrivée, s'il faut éventuellement filer un coup de main, on le fera. Mais il n'y a aucune raison de le faire avant. Alors après, je suis un peu sceptique. C'est qu'on a vu quand Bagnaia a passé Bastianini, il a passé vraiment très facilement. Et hier soir, on a posé la question à Bastianini. On lui a dit, mais comment il se fait que tu as fait une erreur? Et ben, Enea a répondu avec un petit sourire en disant non, 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 il a passé normalement. Et c'est vrai, bon, son sourire en disait long. Est-ce qu'il s'est dit, bon, il vaut mieux, on se bat pour une 9e place, est-ce que c'est mieux que je le laisse passer? Est-ce qu'il va peut-être les moyens d'aller chercher Quartararo devant? On se Moi, je souvient pense de Rins et Mir chez Suzuki, pour lesquels on s'était posé la question aussi quand Rins avait fait une goutte d'eau, avait écarté et que Mir était Allez, passé. avance. Ouais. Après, si on regarde bien après les partiels de chaque tour, au 20e tour, je crois que c'est au 20e tour qui passe, que Bagnaia repasse. Bastianini, c'est son plus mauvais partiel, quatrième partiel de la course. Hein. Bon, voilà. Est-ce que c'était une erreur volontaire ou quoi? Mais il a toujours été plus rapide que ce fameux tour. Après, enfin, par rapport à l'histoire de Rins et Mir, Rins et Mir était coéquipier. Aujourd'hui, Bastianini est le futur coéquipier de Bagnaia, mais voilà, ils partagent le même, enfin, ils roulent sur la même moto, mais enfin presque, mais ils sont pas coéquipiers, donc c'est encore un peu différent. Quelles sont les différences, justement, tu dis enfin presque, Michel, entre Bah, les on sait que Bagnaia? Bagnaia roule avec une moto de l'an dernier, enfin avec une GP21. Pardon, Bastianini roule avec une GP21 et Bagnaia avec la GP22. Donc,
sensiblement différentes. Alors, avant de passer au carnet de notes et avant ça au stade du doc, puisqu'on est chez Ducati, j'aimerais parler de Johann Zarco. Il revient de la Q1, il arrive à signer une première ligne exceptionnelle, et puis en course, ça l'a pas fait. Non, mais alors voilà, encore une fois, Q1, Q2, c'est sous la pluie, donc difficile de comparer après ce que va être la course. Mais c'est vrai que sa course a été décevante et hier soir, il avait du mal à expliquer le pourquoi du comment, quoi, hein. On pensait qu'en partant devant, il allait pouvoir faire quelque chose. D'autant que Motegi, c'est quand même un circuit où il a de bons souvenirs, hein. C'est là qu'en 2011, il remporte sa première victoire en 125. Exact. Non, ça l'a pas fait. Il est resté bloqué derrière Vinales et en essayant de l'attaquer, il a commis deux, trois petites fautes qui ont fait qu'il s'est retrouvé dans le paquet qui bagarrait derrière. Et là, ça l'a pas fait là, non plus. Voilà, il termine 11e et il termine à 16 secondes de Miller. C'est beaucoup trop. Voilà, il dit il répète toujours un peu les mêmes choses. Je ne suis pas encore assez à l'aise sur la moto. Pendant un moment, il a cherché à adapter son pilotage à la moto. Là, on a l'impression qu'il revient à essayer de faire en sorte que la moto fonctionne pour ce qu'il a envie de faire avec. Donc, il dit, voilà, il faut que je travaille physiquement pour être plus à l'aise et pouvoir avoir un pilotage plus naturel. Enfin, personnellement, j'ai l'impression qu'il tourne un peu en rond. Et qu'il a du mal à trouver des solutions. Donc, sa saison elle ressemble un peu à celle de l'an dernier, à savoir une bonne première partie championnat, et puis depuis l'entame de la deuxième moitié, c'est beaucoup moins bien. Très bien, très bien. Merci Michel pour ce débrief. On va encore parler d'autres pilotes, hein, notamment de Binder, des pilotes Aprilia également, dans le carnet de notes du doc. C'est maintenant. C'est au tour du doc de parler un peu, Michel. Merci pour Je me tais. Non, non, non. très complet, mais comme pour le doc, je t'invite à intervenir et voire à couper le doc parce que il faut pas qu'on hésite dans ce carnet de notes. Alors, on commence par le vainqueur de la course, Jack Miller. On le note à chaque débrief After Sunday. Jack Miller, on l'aime bien. Et voilà, Jack Miller gagne la course et de quelle manière? Écoute, là, je vais lui mettre un 10. Hein. Voilà, là, on peut pas dire une victoire quand il Rien fait. à dire, Michel. Non, 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 j'approuve. Non, non, il a clairement, il a fait un départ, on va dire prudent. Il était un peu dans le groupe au début, puis après, il a remonté très rapidement, très facilement sur les deux leaders qui étaient Brad Binder et Jorge Martin. Et du coup, bah, une fois qu'il a pris le lead, bah, il s'est envolé et puis il a plus jamais regardé derrière lui. Donc, très belle victoire. Franchement, là, rien à dire. Et puis en plus, il a enchaîné les chronos quand même très très rapide. Ouais. Comment expliquer ça pour Miller? Il est un peu libéré depuis qu'il sait qu'il va rejoindre le clan KTM. On le sent détendu. Bon choix de pneus. Ouais, je pense que ça va être plutôt le bon choix de pneu parce qu'il fait partie avec enfin, des rares à avoir changé au dernier moment sur la grille pour être passé sur le dur à l'arrière. Contrairement à d'autres qui sont restés plutôt sur le soft, notamment. Marquez ou encore Fabio. L'expérience de la L'expérience. Ducati aussi. Ouais. Après, il y a beaucoup de paramètres, je pense, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, enfin, hier, pardon, il a fait clairement la différence sur la Ducati et Donc un 10. il avait toutes les clés pour y arriver. Là, apparemment, toutes les planètes étaient alignées, quoi. On reste dans la tête de classe, on va attribuer une note à Brad Binder. Même plus globalement, on va mettre plutôt une bonne note aux deux KTM officiels parce que ce week-end, bah, elles étaient toutes les deux là aux avant-postes. Miguel Oliveira, qu'on a pu voir hier soir, a clairement dit qu'il savait pas pourquoi, en fait, il n'avait pas d'explication particulière sur le pourquoi les KTM étaient rapides ce week-end à Motegi. C'est dommage, ouais, de ne pas savoir. Ouais. Bah écoute, Bah, ouais, ouais. ils ont pas trop d'explications, d'autant que c'est un circuit où il y a du grip. Généralement, les KTM Ouais. sont là quand il n'y a pas trop de grip. Et c'est vrai qu'en plus, Oliveira, il aurait pu terminer quatrième. C'est Ouais. vrai que La Marquez va reprise. le chercher à la fin. Encore du grand Marquez, mais ouais, il était là, quoi, hein. Cinquième. Il termine cinquième à 8 secondes. C'est une belle course. Ouais, puis elles étaient toutes les deux en Q2. Bon, c'est vrai que là, les circonstances particulières de la pluie, tout ça, bon, voilà, une seule séance sur le sec pour vraiment se qualifier pour Q1, Q2.
Bon, voilà, mais ça n'empêche pas que voilà, les deux KTM sont dans le top 5, et les deux KTM officiels, j'entends. Et donc, je dirais que là, on peut mettre un, je sais pas, un 8, c'est bien, je pense. Oui, ben ouais, très bien, très bien. Non, puis surtout, pour À ce coup. KTM, alors, à KTM, Ouais. à l'ensemble des pilotes Ouais. Alors, KTM. des KTM officiels, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les KTM de l'équipe Tech 3, qui sont quand même. Ouais, bien sûr, qui de toute façon, avec deux pilotes qui sont en partance. Donc, très difficile de se remotiver, encore que on avait vu Iker Lekuona faire une très très belle fin de saison avec Tech 3 et de beaucoup d'éclat, notamment sur les séances d'essai. D'ailleurs, un petit mot, il y avait Tetsuta Nagashima avec qui Lekuona a gagné les 8 heures de Suzuka. Il était là, il a fait une bonne qualification. C'était quand même très très difficile pour lui. Hein. Ouais. Pourtant, Crutchlow nous dit, enfin, disait en début de week-end qu'il fallait quand même garder un œil sur lui parce qu'il aurait pu faire de très bons chronos, une très belle course. Bon, après, il a fini sa course dans le bac à gravier, malheureusement. Mais oui, après, si on regarde les résultats des qualifs, il est 19e, donc il met quand même quelques pilotes, on va dire, Ouais. derrière lui. Bon, voilà, c'est sûr que le niveau aujourd'hui en MotoGP est tel que c'est compliqué, voilà, en une fraction de seconde. On en parlait avec un confrère journaliste. C'est un battement de cils, quoi. Aujourd'hui, ça se joue à ça. Justement, on parlait de Crutchlow. Crutchlow, il termine dans la roue de Morbidelli. C'est quand même difficile pour Franco Morbidelli qui enchaîne les contre-performances. Il a encore un an de contrat, Michel. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce qui va se passer là Je pense que chez Yamaha, on s'en mord les doigts. Et c'est vrai que c'est vrai qu'on s'inquiète, d'autant que l'année prochaine, il n'y aura plus que deux Yamaha sur la grille. Hein. Donc Fabio risque d'être bien seul, à moins qu'il y ait enfin, on voit pas ce Et il qui n'y a pourrait. pas moyen de débaucher vraiment Razgatlioglu du Superbike chez Yamaha. Là, c'est surtout l'inverse, c'est débaucher Franco Morbidelli. Enfin, oui, il y a des contrats qui sont signés. D'échanger, c'est-à-dire, c'est ça? Ah, échanger, ouais. C'est vrai que Morbidelli vient du paddock Superbike, mais bon. En tout cas, Ouais. j'avais pas entendu parler. Hein. Ouais, non, mais c'est des spéculations, messieurs. Une note. C'est toi qui le disais, David, je vais la souffler à l'oreille de Liv De Jarvis la semaine Kenan et de prochaine. Kenan Sofuoglu, et puis. Voilà. on n'attribuerait pas une note au pilote Aprilia également, puisqu'on en a attribué une au pilote KTM, Doc. Ouais, alors après, c'est compliqué d'attribuer une note parce que là, si on prend Deux notes. Aleix Espargaró, on n'en a pas parlé, mais il fait partie des deux principaux adversaires avant cette course de Fabio Quartararo. Bah, lui, il a vraiment joué de malchance, là, pour le coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le tour de chauffe, avant le tour de chauffe, pendant le tour de chauffe, en fait, son équipe n'avait pas changé la map d'économie d'essence, de carburant qui est utilisé pour le tour de reconnaissance, donc le tour de mise en grille. Oui. Et donc, du coup, bah, il est parti avec ça. Et clairement, bah, pas de puissance. Donc, il a dû repasser au box après le tour de chauffe. Et comme on l'a vu hein, dans les images, il balance sa moto à ses mécanos. Il prend la deuxième pour essayer de partir en trombe et donc de manquer le moins de temps possible. Il fait une belle remontée, Il mine de rien. prend le départ De la de pit lane, oui, il la prend le départ de la pit lane et puis il fait une très belle remontée, mine de rien. Malheureusement, bah, c'est la première course de la saison, il marque aucun point parce qu'il termine aux portes des points en 16e position. Mais parce que sa moto, cette Oui, moto, aussi parce que. Vas-y, la ouais, vas-y, deuxième moto est équipée vas-y. du pneu tendre, qu'il avait, enfin voilà, avec laquelle il pouvait rien faire. Donc il a expliqué qu'il est resté, voilà, il savait qu'il serait jamais dans les points, mais il est resté en course en se disant si jamais il y a un incident, qu'il y a un drapeau rouge, il y aura un deuxième départ. À ce moment-là, je pourrais repartir avec la bonne monte pneumatique et ma moto numéro un. Malheureusement, il y a, enfin malheureusement. Malheureusement pour lui, hein, parce qu'on est heureux qu'il n'y ait pas eu de drapeau rouge, mais voilà, Mais il ça. avait là, il avait vraiment les boules hier soir parce qu'il pensait qu'il avait le rythme pour faire un podium, pour jouer ouais, avec peut-être pas avec Miller qui était sur une autre planète hier, mais au moins avec Martin et Binder certainement. Puis il partait bien sur la grille. Hein. Voilà, il était bien placé sur la grille, contrairement à ses deux adversaires. Il n'avait que 17 points de retard sur Fabio avant le Grand Prix du Japon. Donc, il C'est avait les moyens énorme. de la deuxième place du classement général. Donc, il était vraiment extrêmement déçu hier soir, quoi, parce que, Ouais, c'est mais une bon, il a erreur. dit, la faute, c'est une boulette de l'équipe. Mais voilà, on gagne en équipe, on perd en équipe. Et il n'a pas du tout accablé ses mécanos. Et ça, chapeau.
Je mettrai un 2 à l'équipe. À l'équipe, quoi, parce ouais. que c'est vrai que... Bon. Oui, c'est une erreur. Vignales. Et comment t'as dit? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Vignales. Tu sais, c'est un pilote Aprilia. J'avais pas compris, excuse-moi. Bah, écoute, Maverick Vinales qui fait un très bon début de course, qui a rétrogradé un tout petit peu après au classement et qui termine finalement 7e. Bah, voilà, on voit qu'aujourd'hui, Maverick Vinales, c'est une valeur sûre chez Aprilia. Il lui manque encore quelques éléments encore pour faire la différence au guidon de cette moto. Mais en tout cas, là, sur la deuxième partie de saison, ça reste quand même, sauf un, on avait fait le classement hier, ça reste le meilleur pilote Aprilia, devant Aleix Espargaró, entre guillemets, qui a marqué le plus de points. Donc, il a super bien résisté, hein, en tout cas, il n'a pas fait d'erreur, parce qu'avoir Fabio toute la course derrière lui, hyper fort au frein, il n'a pas été fébrile, quoi. Il n'a pas fait une faute au freinage, pas une erreur. Non, il fait une course très solide. Vous l'avez vu, Vinales? Vous l'avez interviewé? Ouais, 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 j'ai vu hier soir. Ouais, ouais. Il était déçu parce que je pense qu'il était déçu de voir que c'est Miller qui avait gagné, de voir qu'il y avait une KTM sur le podium et que voilà, il a l'impression que la victoire lui sourit pas, quoi. Donc il est un peu frustré, quoi. Très bien, messieurs. Un petit mot sur Martin également. Jorge Martin qui quand même monte sur le podium. Oui. Ah, pareil, je ne l'ai pas entendu parce que les pilotes Pramac, on ne les a pas. Moi, je n'ai pas vu Martin. Non, mais... Marini, moi, je mettrais un petit coup de chapeau à Marini qui fait vraiment une belle fin de saison. Là. Ouais, comme je te disais, Michel, hier, c'est vrai que pour moi, Marini, c'est l'inverse de ce qui passe avec Zarco. C'est-à-dire qu'en fait, il fait une très bonne deuxième moitié de saison. Et on voit que même s'il part de loin ou en tout cas au début de course c'est plus compliqué, il fait un peu comme ce que fait Bastianini, c'est-à-dire qu'il remonte progressivement très sûrement et on l'a vu hein, se battre avec Fabio, on l'a vu remonter et la course par exemple qu'il fait à Saint-Marin, c'est pareil aussi, il a fait une très belle course en se battant notamment avec Fabio justement. Donc ouais, là aujourd'hui je le mettrais facilement un 6-7 pour cette course, quoi. Martin, pour terminer, Martin, je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux s'il était parti avec le pneu hard à l'arrière. Il fait partie des deux, du seul sur le podium à pas être parti avec le hard. Ouais, dans les pilotes Ducati globalement font de beaucoup d'éclats, à l'exception notable de Fabio Di Gianantonio qui doit mal vivre quand même le succès de son coéquipier. Bastianini. Oui, après, voilà, faut pas oublier que Fabio Di Giannantonio reste un rookie aussi. Donc, lui, pareil, hein, c'est aujourd'hui, enfin, hier, pardon, il découvrait le circuit de Motegi au guidon d'une MotoGP. Pareil, lui, comme les autres, il n'y a pas roulé depuis 3 ans. Donc, bon, voilà, il y a pas mal de circonstances qui font que une seule séance sur le sec. Bon, voilà, je veux pas non plus l'accabler, mais voilà, ça reste un rookie qui termine à même pas 30 secondes de Jack Miller, ce qui est quand même. Ok, on est indulgent dans les notations. Très bien, très bien, très bien, messieurs. Non, mais il a ses petits favoris. Donc, Merci, messieurs, pour ce carnet de notes très complet. On passe maintenant aux statistiques, l'instant stat de Thomas. Les stats, les chiffres, Thomas, tu as préparé quelques notes? Ouais, alors après, comme la semaine dernière, il n'y a pas grand-chose à dire. Malheureusement, c'est vrai que là, c'est un Grand Prix où les pilotes sur le podium ne sont pas non plus ceux qui ont dominé la catégorie ces dernières années. Donc voilà. Mais quelque chose à souligner quand même ce week-end, c'est que c'est la première fois de l'histoire du Grand Prix du Japon en catégorie N, alors Grand Prix du Japon ou Grand Prix du Pacifique, en tout cas les Grands Prix en catégorie N qui ont lieu sur le sol japonais, qu'il n'y a pas un seul constructeur japonais sur le podium. 6 motos japonaises l'an prochain sur la grille. C'est peu, hein. Il y aura 16 européennes, donc c'est effectivement très peu. Ouais. Du jamais vu, quoi. C'est la 11e victoire de Ducati. Donc, la marque égale son record du plus grand nombre de victoires sur une même saison en catégorie N, établie en 2007. Donc, souvenez-vous, en 2007, c'est la dernière fois, ou la seule fois déjà, que Ducati gagne le titre pilote avec Ace Stoner. Donc, voilà, 11e victoire. On peut imaginer qu'il y en aura d'autres, hein, d'ici la fin de saison. Marc Marquez hier a marqué 13 points et en fait après le Grand Prix d'Italie, quand il a annoncé son départ pour se faire opérer jusqu'au Grand Prix du Japon, l'ensemble des points marqués par tous les autres pilotes Honda, c'est un tiers de ce qu'il a marqué hier.
Si lui a marqué un tiers a marqué un tiers de tous les pilotes des points marqués par tous les autres pilotes Honda. Donc voilà. Et j'ai lu dans tes statistiques, Thomas, aussi, ça m'a toujours étonné parce que Marquez, il a été un peu en retrait ces derniers temps, que sur tous ses grands prix, il a 40% de pole position. Un peu moins maintenant, je crois. Ça fait 39,9. Ouais, bah écoute, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et puis tu te souviens à l'époque où il y a encore 2-3 ans, en 2019, on était sur quasiment une pole sur deux en catégorie reine. Donc c'était quand même assez impressionnant aussi. Bon, là, forcément, à son absence, le fait qu'il ait eu que cette pole position vient 1071 jours après sa dernière, forcément, ça fait baisser les stats, mais ça n'empêche pas que c'est un très grand poleman. De toute façon, c'est celui qui détient les records. C'est celui qui doit avoir le plus de montres Tissot chez lui, quoi. Merci Thomas pour ces chiffres, merci beaucoup. On va passer au débrief de Margot, le Margot GP. On va retrouver Eric Sélis également qui va nous débriefer le trépidant week-end de Superbike en FSBK. Et moi je vais vous laisser continuer votre journée japonaise, déguster quelques sushis en attendant de se retrouver la semaine prochaine autour d'un pad thaï pour le débrief du Grand Prix de Thaïlande. C'est OK? Bah ouais, on sera là. Fidèle au poste, David. Allez, bonne tournée asiatique, messieurs. Et merci pour ce débrief très riche, très intéressant. À bientôt, salut. Salut, David. Bonjour Margot, bonjour Eric. Vous étiez sur le circuit Paul Ricard ce week-end pour la finale du championnat de France Superbike. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Salut, oui, il y a eu pas mal de rebondissements, de belles courses encore une fois. Ouais, salut David, salut Margot. Effectivement, des rebondissements. Et pour faire simple, si tu veux teaser la suite, c'est ceux qui sont arrivés en tête n'ont pas gagné. Voilà. Allez, on en reparle dans quelques instants du championnat de France Superbike et de la finale avec ceux qui sont arrivés en tête qui n'ont pas gagné. Mais d'abord, on passe à la rubrique de Margot, le débrief moto de Moto 3. C'est maintenant. Margot, je ne te laisse pas le choix. On commence par le débrief Moto 3 avec un patron, c'est Izan Guevara. Exactement, Izan Guevara, le patron, c'est un terme que lui aussi a utilisé pendant le Grand Prix et je trouve que ça définit quand même très très bien le pilote qu'il est en ce moment. Une fois de plus, il a été très très solide malgré les péripéties qu'il a pu connaître. Parce que pour rappel, le matin, lors du warm-up, pendant le warm-up, il a chuté dans la ligne droite, il a accroché la roue arrière de John McPhee et sa moto est venue s'exploser en fait tout simplement contre le mur. Donc beaucoup de dégâts, mais que le team a réussi à réparer. Mais la question, c'est est-ce qu'il va y avoir un problème en course? Heureusement pour lui, il n'y en a pas eu. Et Izan Guevara partait de la 9e position. Et comme d'habitude, il est très, très bien parti. Il part toujours bien. C'est ce qui lui a permis de faire une bonne course et de remporter sa deuxième victoire de suite. En plus de ça, sur un circuit inconnu pour lui, c'est sa 5e victoire de la saison et son troisième podium de suite. C'est dire dans quelle forme il est en ce moment. Et ça rajoute un coup dur de plus à Sergio Garcia, parce que lors des trois dernières courses, Izan Guevara a marqué 66 points et Sergio Garcia, lui, n'en a marqué que 16, ce qui fait une différence quand même de 50 points. Mais malgré tout, Sergio Garcia réalise son meilleur résultat depuis le retour de la trêve estivale, c'est une 4e place, et ça reste une journée quand même globalement positive pour lui. Mais maintenant, il y a 45 points d'écart entre les deux coéquipiers au championnat. Ouais, la suite du podium Moto 3 avec Denis Foggia. Denis Foggia, deuxième, sa course, comme il l'a expliqué, la plus compliquée de la saison, parce que y avait une certaine gestion au niveau des températures, forcément, entre le samedi et le dimanche, ce n'était pas du tout la même météo. Il expliquait aussi qu'il y a eu des batailles en course, même si en tant que spectateur, ce n'était pas la course la plus phénoménale de l'année en Moto 3. Et il y a aussi une petite note, c'est que Denis Foggia, dès qu'il monte sur le podium en ce moment, ensuite, il sort du top 10, donc il est assez irrégulier. Et celui qui complète le podium en Moto 3, c'est Ayumu Sasaki. C'est le premier pilote d'un Japonais à domicile depuis 2009. Donc le dernier, c'était Hiroshi Aoyama en 250 cm³. Et il partait, donc Ayumu Sasaki, de la deuxième ligne. Il a pratiquement mené toute la course. Mais à partir du moment où il s'est fait dépasser, il a expliqué, selon ses propos, qu'il a commencé à avoir des difficultés sur son pneu arrière.
Et Ayumu Sasaki, il est quand même dans une bonne dynamique parce que sur les 6 dernières courses, certes, il y a eu des erreurs sur deux où il a fait des résultats blancs, il a chuté, mais quand il termine les courses, eh ben, il est tout le temps sur le podium en ce moment. Ouais, alors, un podium d'un Japonais et un week-end noir pour les Français. Exactement, parce que Lorenzo Felon a chuté plus d'une fois, malheureusement, et en course, alors qu'il était à la porte des points, sachant qu'en FP1, donc le vendredi au Japon, il a chuté et il s'est fait mal, on l'a vu, hein, qu'il boitait. Et ensuite, il a chuté deux fois le samedi, notamment une fois en qualification. Donc c'est un week-end à oublier, tout comme son futur team, le CIP, où eh bien, Kaito Toba et Joel Kelso, les deux pilotes d'Alain Brunec, ont chuté à quelques secondes d'intervalle dans le premier tour, si je ne me trompe pas. Donc, ils n'ont pas chuté ensemble, mais week-end a oublié aussi pour eux. Alors, on passe à la catégorie Moto 2 avec un nouveau podium, mais cette fois sur la plus haute marche, c'est la victoire à domicile d'un Japonais, Ayogura. Exactement. Ça faisait 16 ans qu'il n'y avait pas eu de victoire japonaise à domicile. Et là aussi, c'était Hiroshi Aoyama en 2006, toujours en 250 cm3. Et Ayugura, donc comme tu l'as dit, remporte la course. C'était une course très importante pour lui au championnat. Sa troisième victoire de la saison. Pour lui aussi, comme Izan Guevara, tout s'est joué dans les premiers instants de la course, dans le départ, puisqu'il partait de la 13e position. Et il termine cinquième à la fin du premier tour. Enfin, il est en cinquième position plutôt à la fin du premier tour. Il a pris la tête par la suite. Et je vais en parler juste après d'Augusto Fernandez qui revenait. Il fallait gérer derrière lui la remontée aussi de l'Espagnol parce que tous les deux étaient très rapides. Pour note, si je ne me trompe pas, le meilleur tour en course est de 1 minute 50 et 7 dixièmes par Franco Morbidelli. Et les deux pilotes roulaient globalement en 1 minute 50, 59 dixièmes ou 1 minute 51. Donc ils étaient très très rapides. Donc une victoire assez spéciale pour Ayogora, forcément. Une victoire à domicile, sachant que certes il connaît le circuit, mais qu'il avait couru qu'une seule fois en Grand Prix en 2019 sur ce circuit et c'était en Moto 3. Alors, tu as parlé de Fernandez dans un rôle qu'il adore, celui du chasseur. Oui, chasseur, parce que on le voit souvent remonter. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit faire. Il n'a pas pris le super départ, parce que il est resté à sa position initiale, 11e, et il est remonté en course petit à petit. Il a mangé ses adversaires un à un. Et comme je disais, un très très gros rythme, très très gros rythme avec Ayugura et quelques tours de plus. Et les deux pouvaient se battre pour justement cette victoire. Malgré tout, Augusto Fernandez monte pardon, sur la deuxième marche du podium et il n'y a plus que 2 points au championnat entre Ayugura et Augusto Fernandez, toujours premier. Mais donc l'écart se resserre, même si arrivé au Japon, il n'y en avait pas beaucoup. Et celui qui complète le podium, c'est Alonso Lopez. Les doubles shooters, Margot. Aaron Canet et Fermín Aldeguer, qui à la base étaient en tête de la course, mais comme d'habitude, si je peux utiliser ce terme, eh bien, ils ont chuté. Aldeguer dans le troisième tour, Aaron Canet a suivi très rapidement dans le quatrième. Et ces deux pilotes, dès qu'il y a un enjeu, dès qu'ils vont qu'ils sont en passe de remporter leur première victoire dans la catégorie, eh bien, ils chutent. Il y a un manque de concrétisation. C'est pas un manque de performance parce que ça reste de très très bons pilotes, mais est-ce que c'est une pression ou quoi? Mais en tout cas, à chaque fois, il se loupe. Ouais, il se loupait une première victoire, toujours repoussée. On a appris le départ à la retraite d'un pilote qui n'est pas si âgé que ça, Gabriel Rodrigo au Japon. Oui, l'Argentin, qui n'est âgé que de 25 ans, donc il a annoncé sa retraite en début de week-end. Il est actuellement blessé depuis le Mugello à l'épaule, donc ça fait partie notamment des raisons de son retrait, mais aussi bah, des accidents tragiques qu'il a pu avoir ces dernières années, enfin notamment l'année dernière, qui lui ont forcé un peu à prendre cette décision. Donc, Gabriel Rodrigo, l'Argentin, était présent, c'était sa première saison en Moto 2 et ses premières courses en mondial en Moto 3, c'était en 2014. Merci Margot pour ce débrief Moto 3 puis Moto 2. Avant de passer au Sunday Race Recap et au résumé du Mondial Superbike à Barcelone et du Championnat de France Superbike au circuit Paul Ricard, on va rester encore un peu en MotoGP
avec un invité. C'est Régis Laconi qui était là, qui s'est rendu à une journée 4G, l'école de pilotage de Bernard Garcia. Eh bien, Régis Laconi nous a donné ses impressions, nous a livré ses impressions sur ce Grand Prix du Japon. Bah, ça a été un grand prix, on va dire, surprenant, dans le sens où c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'essais dans des conditions correctes. Là, il y a le fait du voyage aussi, il y a la première séance qui a pas fonctionné, enfin, qui n'a pas été mise en route. Donc c'est quand même un peu, ça a été un peu spécial avec cette pluie pendant aussi le samedi après-midi pour la FP4 et tout, c'était un peu le cirque. La FP3, pardon, parce qu'il y en avait que 3 cette fois-ci. Donc en tout cas, moi j'ai trouvé que le Grand Prix était intéressant, mais et pas dans des conditions du tout normales, et donc les pilotes n'avaient pas assez de réglages, n'avaient pas assez de repères aussi, je pense, sur le sec. Et voir Jack Miller l'emporter comme ça aussi facilement, c'était presque pas normal. Donc, mais ce qui prouve que c'est un pilote qui est quand même bien quand il est en pleine forme, que tout va bien, et il nous l'a prouvé là. Mais en tout cas, pour Fabio, c'est sûr que il y a du bien et du moins, donc c'est sûr qu'il a pas marqué beaucoup de points. Mais il a eu la chance au moins d'avoir tous ceux qui viennent devant lui, qui sont derrière lui, et même tomber dans Banaya, qui s'est quand même mis à plat ventre. Franchement, là, Banaya, il en fait encore une bonne, qui va payer cher, malheureusement, pour le titre qu'il espérait venir devant lui pour la fin de la saison. Qu'est-ce que tu as pensé de Marquez? Marquez, ouais, franchement, c'est vrai qu'il les a appelés quand même Marquez. Marquez, c'est presque pas normal. C'est vraiment dire que c'est un surdoué, il ne faut pas rêver, parce que ça fait je ne sais pas combien de mois qu'il n'a pas roulé. Il a fait quelques tours, c'est vrai, là, en Aragon, mais il n'en a quand même pas fait beaucoup. Et déjà là, il était assez performant. Il est arrivé là, sur le mouillé, il fait la pole. Sur le sec, il termine quand même 4, et c'est quand même en dépassant, ça c'est important quand même, dans le dernier tour. Donc ce qui veut dire qu'il avait encore la force, qu'il avait son feeling qu'il a toujours, et voilà, donc, et que la Honda n'est toujours pas au niveau qu'elle devait être, le fait qu'il n'y ait pas eu de pilotes qui ont vraiment bien roulé dessus et fait aller à la moto de l'avant. Est-ce que tu as un pronostic pour la fin de saison, Régis? Moi, pour moi, c'est sûr que je voudrais que ça soit Fabio, et que, parce que franchement, ce qu'il fait avec sa moto, c'est quand même très bien, parce que des autres Yamaha, il n'y en a pas, donc ça, c'est pas compliqué. Donc, il y en a sur le papier, mais sur les résultats, il n'y en a pas. Donc en fait, c'est ça qui est hallucinant. Quoi. C'est vrai que Fabio, il met tout au fur et à mesure, tout ce comme il faut, pour réussir à être bien quand même à chaque fois. Et quand il ne peut pas mettre des gros points, et ben, il fait des courses comme ce qu'il a fait là, et il marque des points pour le championnat, ce qui est quand même très important. Donc, en tout cas, je pense que Banaya, je ne vais pas dire qu'il a signé son arrêt de mort là, pour le titre ce week-end, mais ça me paraît malheureusement le cas. Régis, tu as été pilote à Aprilia. Qu'est-ce que tu penses du retour au premier plan de la marque? Ça, c'est juste bien, et bien pour le MotoGP aussi, parce que ça fait une marque de plus. Vu que malheureusement, il y a Suzuki aussi qui va partir, donc c'est un peu embêtant. Donc les voir là, ils ont mis beaucoup de temps à arriver on veut dire, au niveau qu'ils sont là, mais je pense qu'ils ont une moto très performante, très, très stable au freinage. On les voit parce qu'aujourd'hui, par rapport à, je pense, personne n'en parle beaucoup et ne le voit pas assez, mais je pense qu'aujourd'hui, la stabilité au freinage est quelque chose d'hyper important. Depuis toute cette électronique, il y a plein de choses qui ont changé, et en fait, j'ai vraiment l'impression que le freinage est devenu de plus en plus. Les pilotes freinent de plus en plus tard, et les écarts sont très compliqués, et d'ailleurs, c'est très difficile à chaque fois faire des dépassements au niveau des freinages. Tu penses quoi de la. Du côté un peu inconstant des KTM, elles sont là, elles sont pas là? Ça me paraît logique dans le sens où l'expérience, ils en ont pas beaucoup en MotoGP, donc ils sont quand même arrivés là il y a pas si longtemps que ça. Donc les voir gagner aussi vite déjà, moi j'aurais jamais pensé que c'était possible. Donc là j'étais quand même surpris, donc tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que cette année ils payent un petit peu parce que le fait d'avoir gagné aussi rapidement, ils payent un peu le truc, parce que là tout le monde les attend quand même, pas être champion du monde, mais les attend à être sur les podiums, sur les Grands Prix. Malheureusement, ça n'a pas été souvent le cas, sauf des conditions un peu difficiles, comme ce que ça a été le cas là au Japon. Donc en tout cas, il va falloir voir comment ça continue, mais ils progressent bien, mais il faut du temps pour vraiment avoir toutes les informations sur tous les circuits, avec des conditions différentes aussi, et tout ça, les autres usines, ils l'ont, c'est sûr. Bon.
Bonjour André, tu es avec nous pour ce débrief du Grand Prix du Japon. Et cette fois, ce n'est pas un carton rouge, mais plutôt un carton jaune adressé par Marco Bezzecchi à l'attention de Ducati. Explique-nous. Alors bonjour, bonjour David et à tout le monde. Carton jaune, oui, mais c'est une vue d'esprit, parce que c'est jaune comme la VR46, c'est jaune comme Valentino Rossi. La situation est la suivante. On a tous vu depuis Aragon et même depuis Misano que Ducati a du mal à se décider à donner des consignes d'équipe pour enfin favoriser Bagnaia pour remonter sur un Fabio Quartararo qui résiste magnifiquement au championnat. Les événements du Japon ont démontré que les 5 points qu'il a perdus à Misano au profit de Bastianini qui a joué sa carte risquent de peser très lourd au soir de Valence dans maintenant 4 Grands Prix parce qu'il ressort du Japon avec un résultat blanc suite à une chute après une attaque un peu trop optimiste sur Fabio Quartararo. Et d'ailleurs, heureusement que dans sa manœuvre, il n'a pas emporté le Français. Donc, il sort avec 0 points et Fabio repart au championnat avec 8 points de plus. Et Bastianini marque les points de la 9e place. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que Borgo Panigale, à mon avis, Claudio Domenicali ne doit pas trop apprécier la scénette. Dans le box Ducati, on sent que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Parce que si Gigi Dall'Igna semble se résoudre à ne donner aucune consigne d'équipe. On a vu quand même Davide Tardozzi se pointer dans le team Gresini assez agacé en voyant Bastianini vouloir shipper ne serait-ce qu'une 9e place à Bagnaia, parce qu'ils étaient en train de Alors, se battre je tous fais les une deux. incise, André, sur la hiérarchie chez Ducati. Tu as parlé d'abord de Domenicali, c'est le grand patron de Ducati. C'est le grand patron, tout à fait. Ensuite, Dallinia, c'est le patron technique de Ducati. De Ducati Corse, ouais, c'est le patron de Ducati Corse. Ouais. Et puis Tardozzi, Davide C'est le team Tardozzi. manager de Ducati officiel, affirmatif. Et puis, il y a encore au-dessus de lui Paolo Et Ciabatti. Paolo Sabatti, qui est le directeur sportif. Voilà, donc là, voilà, on a la hiérarchie des quatre hommes qui président un pôle destiné de Ducati en MotoGP. Et donc, aucun d'entre eux ne se décide vraiment à donner de consignes claires. Non, ben, aucun, mais en plus, on sent qu'il y a une vraie question philosophique qui ne se poserait d'ailleurs jamais en Formule 1, mais il y a une vraie question philosophique. Parce que Bagnaia, lui, veut gagner sur la piste, qui est tout à fait légitime. Mais c'est un pilote, alors que, comme le dit le grand patron de Ducati, il y a quand même une entreprise derrière. Et l'enjeu d'un titre pilote, si c'est grâce à un pilote, ça dépasse aussi simplement l'envie d'un pilote d'être soutenu ou pas par son écurie. Donc, on a vu tout ça qui était un peu bizarre, mais néanmoins, Pecco Bagnaia a des alliés. Et les alliés, il les trouve au ranch de Tavuglia. Car Marco Bezzecchi a fait une intervention très intéressante au soir du Japon, où il a dit qu'il est remonté sur le groupe Bastianini et Bagnaia. Et lorsqu'il s'est retrouvé derrière Bagnaia, il s'est interdit, lui, il s'est interdit de l'attaquer. Parce que, je cite ses propos, il ne voulait pas avoir d'ennui, fermez les guillemets. Mais il précise, Il pardon. réfléchit, Bezzecchi. Oui, bah, c'est un rookie qui réfléchit. Alors, d'ennui avec qui? Avec Bagnaia, parce qu'il dit que c'est son ami. Avec Ducati, alors ça, peut-être pas vraiment, parce qu'il est sous contrat VR46 et pas chez Ducati. Est-ce que Bastianini, les contrats Ducati. Peut-être qu'il pourrait avoir des ennuis avec Valentino Rossi, d'où l'histoire du carton jaune, mais ça, c'est une simple vue d'esprit de ma part. Néanmoins, il y a vraiment. Soutien, Bagnaia peut avoir vraiment un soutien avec Marini et Bezzecchi, car le même Bezzecchi a dit lors du warm-up, où c'était assez tendu pour tous les pilotes pour connaître quel était le pneu arrière à prendre, ils se sont concertés à trois. Il le dit bien. Il a essayé le médium, Marini a essayé le soft et Bagnaia avait essayé le dur. Ils se sont réunis et ensuite ils ont fait un choix commun qui a été C'est un le travail soft. d'équipe Le médium. en réalité. Il y a un travail d'équipe derrière tout ça et ça nous montre à quel point Fabio Quartararo est bien seul quand même chez Yamaha, puisque même si Cal Crutchlow, mais ça c'est une autre histoire, même si Cal Crutchlow Bien sûr. a dit que s'il avait pris un bon départ, il aurait pu être à la hauteur de ce que faisait Fabio Quartararo Alors. En course. Voilà, il est bien seul parce que son coéquipier, pilote officiel Morbidelli, est loin.
Crutchlow a dit avec son humour anglais qu'il y a toujours un fond de vérité, que si Yamaha l'avait appelé, c'est parce que les autres pilotes n'y arrivaient pas. Et il ne cite pas évidemment Quartararo. C'est surtout pour Morbidelli et Darren Binder, qui est un cas un peu spécial quand même, mais surtout Morbidelli. Donc, c'est intéressant ce que dit Cal Crutchlow, parce que s'il avait respecté les procédures de départ modernes, on va dire, qui ont causé beaucoup de soucis à Alex Espargaro par ailleurs, il pense qu'il aurait fait un meilleur départ et se serait retrouvé entre la 8e et la 9e place, ce qui veut dire derrière Fabio et au milieu des Ducati. Ce qu'il a été absolument incapable de faire, et il le reconnaît bien en plus, Franco Morbidelli. Donc tout ça, c'est assez intéressant et pose question, encore une fois, sur le pauvre Franco Morbidelli qui n'est plus que l'ombre du pilote que l'on a connu en 2020, vice-champion du monde et trois fois vainqueur. Merci, merci André pour ces éclaircissements qui font l'objet d'articles sur Paddock GP, des articles qui marchent très bien, qui sont très suivis, celui sur Crutchlow et celui sur Bezzecchi. Merci, merci, et puis et ben à la prochaine, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, David, et bon courage à vous. Ciao. Merci, ciao. Le Sunday Race Recap avec toi, Eric. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end, notamment sur le circuit Paul Ricard, mais aussi sur le circuit de Catalunya, de Barcelone. On commence par quoi on va commencer par le championnat de France. Ça fait du bien de temps en temps d'être cocardier. Il s'est passé plein de choses parce que Margot était là aussi. Et évidemment, tout le monde regardait et attendait la finale du championnat de France Superbike parce que il y avait 18 points d'écart entre Valentin Debise et Kenny Fauré en arrivant sur le circuit Paul Ricard. Et ce qu'on pensait peut-être à tort qui allait être une formalité pour Valentin Debise, c'est transformé tout simplement en cauchemar. Puisque Valentin Debise n'est pas champion de France Superbike, c'est Kenny Fauré qui a renversé les montagnes et qui est allé chercher ce titre. Alors, chose assez paradoxale, c'est que c'est Valentin qui a craqué alors que tout au long de la saison, il a été très très fort. Tout au long de la saison, il a fait le 600 Supersport et le Superbike. Il a gagné toutes les courses Supersport auxquelles il a participé. Il était titré à Carol, donc il a dit « pour la finale ». Je ne roulerai pas en supersport, je me concentre uniquement sur le superbike. Et puis là, la machine a gagné, s'est enrayée, et il est tombé en première manche assez rapidement d'ailleurs, et puis il est aussi tombé dans la deuxième manche au moment où il était à la bagarre avec Kenny Fauré et Alan Teixeira. Alors il y a eu évidemment ce premier coup de semonce lors de la première manche, et dans la deuxième, au départ, il y avait 5 points d'écart entre Kenny Fauré et Valentin Debise en faveur de Kenny Fauré. Et on sait, une victoire, c'est 25 points, une deuxième place, c'est 20 points. Mais en championnat de France, il y a le bonus d'un point pour le meilleur tour en course. Donc, ça voulait dire que Valentin Debise, à ce moment-là, devait gagner. Mais il devait aussi s'assurer le meilleur tour en course parce que si c'est Kenny qui le faisait, il était battu pour un point. Donc, est-ce que c'est toute cette tension autour, la chute de la première manche? Bref, malheureusement, il y a eu une très, très belle bagarre pendant quoi, une dizaine de tours à peu près, Margot, je crois que c'est ça. Et puis après, malheureusement, Valentin est parti à la faute. Et puis Kenny, il a pu dérouler et il est allé chercher ce titre de champion de France Superbike. Ouais, troisième titre national pour Kenny Fauré après un titre Supersport et puis longtemps après un premier titre Superbike, ce deuxième. Et effectivement, tout est joué un peu sur la chute en première manche puisqu'il suffisait de deux podiums à Valentin pour être titré ici au Castellet. Ouais, c'est ça. C'est, si tu veux, entre les deux, on peut analyser les choses de différentes façons, mais globalement, Valentin, c'est celui qui avait entre guillemets la partie la plus facile, comme tu viens de le dire. Il lui suffisait de monter sur le podium ou au pire de calquer sa course sur celle de Kenny pour s'assurer du titre. Kenny, lui, à la limite, il avait la pression, bien évidemment, il avait un sacré challenge à relever, mais pour lui, au moins, c'était clair. Il devait faire sa course, il devait gagner. Et puis après, on advienne ce que pourra. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il marquait ses points, on faisait les comptes, ça ne passait pas, il n'avait rien à se reprocher. Donc pour lui, c'était relativement, entre guillemets, relativement simple quand on peut dire que jouer un titre, c'est simple. Voilà. Mais c'est surprenant. Valentin a craqué. Et en fait, c'est le même schéma qui se reproduit que l'an passé de différentes façons. Mais l'an passé, il avait été sacré champion Supersport, il avait eu la wildcard à Manicourt, il avait été blessé à Manicourt.
et de fait, il n'avait pas pu défendre son titre Superbike. Bien là, il a eu son titre Supersport, il est allé à Manicourt, ça s'est moins bien passé que prévu, mais ça, il a quand même fait des belles courses. Par contre, là, au Castellet, bah, il a changé son programme, il est, je sais pas, enfin, bah, c'est pas passé, voilà, malheureusement pour lui. Voilà. Donc, Dans les autres catégories, Eric, il y a eu aussi des surprises. Oui, il y a eu des surprises, comme je l'ai dit. Hein. Tous ceux qui étaient en tête en arrivant au Paul Ricard bah, sont repartis forcément déçus. On rappelle qu'en Superbike, en Challenger, c'est Renaudin hein, qui est champion là aussi depuis Carole. En Supersport, bah, évidemment, Valentin Debise. Et finalement, Mathieu Gregorio, qui lui aussi a fait la wildcard à Manicourt, qui s'était blessé le premier jour. Il était tombé sous la pluie dès le vendredi, dès la première séance d'essai. Il s'était fait mal au poignet, donc il avait dit je rentre, j'arrête. Je me concentre sur la finale du Castellet et finalement ouais. Ben, c'est pas lui qui est reparti avec le titre Challenger, c'est Johan Gimbert qui a fait la pole, les deux victoires, qui a été impressionnant hein, sur ce rendez-vous du Paul Ricard. Il est monté en puissance tout au long de la saison. En début d'année, il était vite, on savait qu'il y avait de la vitesse, par contre il avait du mal à concrétiser en course, c'était un petit peu moins régulier. Et puis là, il est monté en puissance depuis 2-3 courses. Et là, au Castellet, il a été vraiment un ton au-dessus de ses adversaires. Il a surtout été très, très impressionnant en première manche où la piste était séchante, tu vois. Donc, c'était déjà, il fallait faire le bon choix de pneumatique. Il y en a beaucoup qui étaient restés en intermédiaire. Lui, Johan, est parti en slick. Et il y avait encore des taches d'humidité. Félix Perron, qui était sur la deuxième position, lui aussi était parti en mix, en pluie, en, oula, je vais y arriver, en slick. Et il a mis beaucoup plus de temps à se lancer. Et Johan, sur le premier tour, je crois qu'il prend 3 secondes tout de suite quasiment. Il a été très, très impressionnant là-dessus. Donc voilà, le chat n'était pas là, les souris ont dansé. Maintenant, on espère que cette jeune garde, les Gimbert, les Gregorio, les Enzo de la Vega, Loïc Arbel, qu'on n'oublie pas, hein, même s'il était blessé et qu'il n'était pas présent au Paul Ricard, ben, on espère qu'on va pouvoir les retrouver, même Mathieu Luciana l'an prochain, pour qu'on puisse avoir un championnat vraiment très disputé comme cette année. Et puis, j'espère aussi que du côté de la Fédé, on va ouvrir un petit peu les homologations pour permettre justement à Ducati, à MV Agusta et à Triumph qui patientent, qui trépignent un petit peu dans l'arrière-boutique pour permettre à ces marques de venir aussi sur le plateau du championnat de France Supersport. Parce qu'aujourd'hui, on ne dénigre pas, mais c'est une coupe Yamaha, quoi. D'accord, le message est passé. Eric, Margot, toi, tu as apprécié ce week-end de championnat de France ? Oui, comme tous les week-ends. Et puis, ça a été un plaisir de pouvoir présenter pratiquement tout au long de la saison. Et c'est vrai qu'en Superbike, ça a été très, très intense encore, comme le disait Eric. Et j'ai trouvé en plus, pour le coup, Kenny Forêt, c'est vrai, particulièrement fort ce week-end et qui est monté en puissance aussi tout au long de la saison. Il le disait, il n'a jamais rien lâché. Et heureusement, et en plus d'ailleurs, il signe le meilleur le record du tour lors des essais libres le vendredi. Mais c'est vrai que c'était quand on regardait la course, la deuxième course, on sait qu'il y a cet enjeu, on sait que tout se joue à ce moment-là. Et quand on est en haut et qu'on voit dans la ligne droite Kenny Forêt et ensuite Alan, et qu'on se demande où est passé Valentin, et ben on comprend que Kenny est champion et. C'est triste pour Valentin. Après, Valentin a eu beaucoup d'autodérision. Je pense que vous avez peut-être dû le voir sur son Instagram qui a mis une photo avec un t-shirt où il a découpé la coupe du trophée, enfin où c'était marqué champion 1000, quoi, enfin Superbike. Donc ça reste une très belle saison et encore une fois, Valentin Debise a été très très fort tout au long de cette année. Merci Margot. Il y avait d'autres courses en Europe sur le circuit de Barcelone où il y avait l'une des dernières manches du championnat du monde Superbike. Un homme s'est imposé, Eric, mais il y avait aussi des Français. Oui, effectivement, c'est l'avant-dernière course européenne hein, puisqu'il restera, ben, il reste maintenant après Barcelone 4 courses. Hein, il reste Portimao, l'Argentine, l'Indonésie et l'Australie. Donc à Barcelone, Alvaro Bautista chez lui a fait un carnage puisque il a gagné tout simplement les 3 courses. Donc il s'est imposé avec la manière. Hein. En première manche, il avait plus de 8 secondes d'avance, c'est-à-dire que pour visualiser le circuit de Montmélo, on voit bien la ligne droite.
bah, quand lui arrivait en bas au freinage pour le S, pour l'enchaînement, ses poursuivants étaient encore en haut, tu vois. Donc ça donne un petit peu la dimension de sa démonstration en première manche. Et puis bah, du coup, il a 394 points maintenant, Alvaro Bautista. Il a 59 points d'avance sur Toprak Radzaglioglu. Et puis Jonathan Rea, lui, est à 327 points. Donc il a 67 points de retard. Donc, bon, il y a encore 4 courses, je le disais. Il y a quand même plus de 50 points par week-end. Donc, tu vois, mathématiquement, il y a des choses qui peuvent être encore jouables. Mais un peu à l'image de ce qui s'est passé en championnat de France, mathématiquement, beaucoup peuvent encore y croire. Enfin, beaucoup. On va dire Toprak et Rea peuvent encore y croire, hein, pour renverser Bautista. Mais il va falloir des circonstances favorables. Et en ce moment, Bautista, il est quand même très, très impressionnant. Oui, mais on l'a vu, hein, il y a 2 ans, Bautista avait mené la première partie du championnat et Rea était revenu. Ouais, il avait gagné les 11 courses, les 11 premières courses d'affilée. Et puis après, par contre, la machine s'était un petit peu enrayée, il était tombé. Et puis après, il n'avait jamais réussi à reprendre son rythme, et ce qui avait permis à Jonathan Rea de pouvoir coiffer un nouveau titre. Donc voilà. Après, il y avait du super sport. Et là, pareil, un petit peu à l'image de Bautista, bien, et Garter, après, on va dire, son moment d'égarement à Most, là, tu sais, où il a joué un peu avec le drapeau rouge, etc. Bah, et finalement, il a repris un petit peu les choses en main depuis Manicourt. Et là, il a encore gagné les 2 courses à Barcelone. Et il a 36 points d'avance maintenant sur Baldassari, qui est toujours son principal, pour ne plus dire unique rival, dans la course au titre. Donc Egarter, qu'on a annoncé, hein, passer en Superbike la saison prochaine, hein, il roulera chez Yamaha GRT ou GTR, je sais, non, GRT, à la place de Gerloff, qui lui va chez BMW. Et Gerloff, ça c'est la bonne nouvelle aussi du week-end, il aura comme coéquipier Loris Baz, qui a été confirmé. Avec même un statut de pilote entre guillemets d'usine, il aura le même matériel quasiment, enfin on l'espère, le même matériel que Van den Mark et Scott Redding. Après, sincèrement, ça aurait été vraiment une mauvaise surprise de ne pas voir Loris Baz reconduit chez BMW Lenovo, parce que c'était sincèrement, il a fait une super saison, c'est l'un des meilleurs pilotes BMW sur le championnat. Et ça aurait été juste incompréhensible qu'il ne soit pas reconduit, quoi. Et en super sport, les Français un peu en délicatesse. Jules Cluzel qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison, après une magnifique carrière. Jules Cluzel part à la retraite, mais il a rencontré des difficultés sur ce circuit de Marseille. Ouais, ça n'a pas été simple. Ils partaient de loin, les pilotes du GMT, même s'ils ont fait des belles remontées, même Andy Verdoya, hein, tu parlais d'Andy Verdoya qui était au Driving Center avec toi pour au lendemain du championnat de France Superbike. Ils ont fait des belles remontées, mais on le sait, en super sport, c'est toujours très, très disputé, très compliqué. Et si tu ne pars pas dans le bon paquet, après, c'est très, très compliqué de revenir aux avant-postes. Bon, voilà, c'était un rendez-vous sans. C'est dommage parce que Manicourt a été vraiment très, très bien pour Jules Cluzel, hein. Il a terminé 2e. Il y avait vraiment des signaux favorables. Après, on peut lui faire confiance. Portimao, l'Argentine, l'Australie, je pense que ça devrait aussi être quelque chose, sur des pistes sur lesquelles il peut s'exprimer correctement. Ouais, il va prendre du plaisir pour ses dernières courses, Jules Cluzel, et il va nous en donner. Eric, il y avait aussi de la conclusion d'un championnat de l'autre côté de l'Atlantique, avec un lien qui va nous amener, qui va nous ramener au MotoGP. Ouais, c'est le Moto America, la finale du Moto America, et c'est Jack Gagne, hein, qui a encore gagné ce championnat-là. Ouais, la liaison, elle est toute faite, parce que on se rappelle qu'il y a une quinzaine de jours, Danilo Petrucci avait été sollicité pour remplacer Joan Mir blessé, et il avait décliné l'offre pour se concentrer sur le championnat américain de Superbike. Et de fait, bah là, maintenant que le championnat est terminé, il est libre, et de fait, Suzuki a décroché de nouveau le téléphone. Eric, on a vu en te relevant que tu portes un t-shirt un peu particulier. On va conclure cette émission là-dessus. Regarde, je bombe le torse. Voilà. Engine, en fait,
C'est le nom du groupe, très sympa. En fait, c'est l'initiative qui était plutôt sympa. C'est le groupe qui a ouvert la série de concerts au dernier Bol d'Or. Et Engine, en fait, Engine, c'est tout simplement le groupe qui a été créé par des acteurs du monde de la moto. Donc, il y a des gens de chez Honda, il y a des gens de chez Suzuki, il y a des gens de Moto Journal, donc de la presse, et puis il y a des gens de chez Motul également. Donc, tous ces gens se sont réunis, un peu sous la managée par Yarol Poupeau également, hein, qui était en concert lors du Bol d'Or. Un Euh, guitariste donc, de Johnny, hein, ils ancien se sont réunis. guitariste de Johnny, ouais. Ouais, l'ancien Ancien guitariste de guitariste Johnny. de Johnny, Ouais, qui a fait un show et un concert pour lancer cette tournée en hommage à Johnny Hallyday au Bol d'Or. Et donc, il les a un petit peu managés, un petit peu coachés. Et puis, bah, du coup, ils se sont retrouvés sur la scène du Bol d'Or et ils ont fait Engine, ils ont fait un groupe. Sur les deux dernières chansons, ils ont été aussi rejoints par Christophe Guyot, dont on connaît la dextérité avec une guitare en main. Et puis voilà, donc il y a eu ce t-shirt collector qui a été fait. Je remercie Pascal Tomek, hein, de chez Motul, qui me l'a offert. Et vraiment, c'était un bon moment. Moi, j'ai pas pu y aller parce que j'étais en direct sur la chaîne L'Équipe à ce moment-là. Mais je crois qu'on risque de les revoir, non, il me semble. Oui, Sébastien Pernel m'a confié que Claude Michi lui tournait autour pour le Grand Prix de France. Sébastien Pernel de Honda, hein, qui a fêté le titre mondial du FCCTSR à l'issue de ce Bol d'Or. Donc un week-end très chargé. Et puis on va les revoir, Engine, en concert pour ceux qui aiment la moto, la musique en plus de la moto. Voilà, c'était la conclusion de ce After Sunday. Débrief du Grand Prix du Japon et autres courses. Merci Margot, merci Eric pour ce débrief très complet. On se retrouve dès la semaine prochaine parce qu'il y a un autre Grand Prix, le Grand Prix de Thaïlande. On enchaîne avec la tournée asiatique. À très vite. Salut. Salut.